Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter la Enchutodunia flexivita. Celle-là, elle est du Nigeria, du Cameroun et du Congo. Et du coup, je voulais vous la montrer parce qu'elle est de la même taille que les blattes d'oupia et elle sert aussi à aller en alimentaire. Je les ai vues sur. Sur Plataria, sur internet, vous regarderez, c'est vous marquez insectes de collection et puis il a fait vraiment un gros travail dessus. Et en général, c'est là-bas qu'elle me donne les plates, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Maintenant, je vais vous présenter la Flexivita et c'est dans un bac comme celui-ci. Pour les Enchutodunia, le bac il est pas compliqué, c'est de la sphaigne avec un mélange de copeaux. Et c'était mieux, celle-là elle s'enterre pas, alors ça sert à rien que j'ai mis autant de copeaux. Et ça c'est des bébés. Bah, le petit qui court là aussi, mais il est un peu plus vieux, quoi. Et celle-là, elle fait du bruit comme blattre. Elles sont plein les unes sur les autres. Elle est marrante, elle fait du bruit. Viens, on va ici, toi. Elles sont super jolies, regardez. C'est celle-là que vous avez vue dans les capsules. Et celle-là, ce qui est cool, c'est que d'une fois que tu la manipules assez longtemps, elle s'amuse à sauter de main à main. Oh, il y en a partout. Vachement stylé les bébés. Enfin, ça c'est un bébé. Là c'est plus, là c'est chaud à choper. Et là c'est méga rapide. J'aime bien les couleurs que ça lui fait. Ça c'est un petit jouet en plastique. C'est un petit ranide. Il fait peur. C'est comme dans mon aquarium à capsule, il y a une bestiole pour l'enfer. Elles sont vachement productives celles-là. J'ai hâte de voir les bébés grandir. J'espère que c'est des bébés Enchutodunia. Mais normalement, oui. Mais orange comme ça, ils me paraissent bizarres.
ce que tu en penses et si tu as le moindre question, pose-la en commentaire parce que... Ah ouais, est-ce que ça mange? Ça mange de la salade, des fruits comme toutes les blattes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est marrant, mais ces petites blattes qui filent du bruit, et puis là, elles sifflent pas. Elles strident avec leurs ailes.